Dans le fond, aujourd'hui, on a ouvert des bouteilles test qu'on laissait vieillir pour faire, bon, pour cette date de déjà 4 mois. On s'est dit que ce serait une bonne idée de mixer nos tests de vieillissement de notre kombucha, dans le fond, pour expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire si votre kombucha est trop pétillant. Fait qu'on l'a laissé fermenter à température pièce. Une couple de jours, 3-4 jours, on l'a remis au frigidaire, après on l'a réouvert, puis là, ben, tu sais, là, il est trop pétillant. Fait que, tu sais, que je vous laisse deviner qu'est-ce que vous pensez qui est la meilleure solution. J'ai été quand même surpris. Il y en a un qui a été ouvert moins froid. Non, mais je l'ai sorti peut-être bien 5-10 minutes avant de commencer à filmer, puis je l'ai ouvert. Il y en a un autre qui a été ouvert à froid normalement, sorti du frigidaire ouvert. Il y en a un autre qui a été ouvert tranquillement, puis on l'a laissé déborder, puis jusqu'à temps que la pression se stabilise, on l'a réouvert un peu plus, comme ça, tranquillement, jusqu'à temps que la pression soit neutre, puis qu'il mousse, mais tu sais, il s'est calmé. Il y en a un autre aussi qu'on a mis dans le congélateur 10 minutes de temps, probablement autour de 0 degrés Celsius, parce qu'il a quasiment gelé. Premièrement, celui-là qu'on a ouvert comme si on avait... qu'on savait pas qu'il était trop pétillant, on l'avait pris, clac, on l'a ouvert, ben c'est ça qui reste de kombucha. Fait que là, tu sais, on a filmé ça. Celui-ci, c'est celui qu'on a ouvert de la même façon, mais il est un petit peu plus température pièce, donc plus chaud. On va expliquer pourquoi ça fait ça. Celui-ci, c'est celui-là qu'on a ouvert tranquillement jusqu'à temps que ça arrête de déborder, puis on a enlevé le bouchon. Puis le dernier, c'est lui, il est vraiment froid. On l'a mis dans le congélateur, puis on l'a ouvert d'un coup. Il y a un processus bien simple, qui est facile à expliquer, qui... Je sais pas si vous voyez, là, si on enlève lui, là, dans le fond, ça c'est juste la température qui change. T'sais. Fait que plus on va froid, moins il y a de chances que ça explose. Si ça avait été vraiment température pièce ou dans un auto à 45 degrés Celsius en été, il aurait probablement resté ça, puis l'intérieur de l'auto aurait été plein de kombucha partout. La raison à ça, puis lui, ben, c'est ça. Ce qui m'a surpris dans le fond, c'est que c'est pas mal la même chose. Fait que si j'avais utilisé cette technique-là de l'ouvrir lentement avec celui-ci, probablement qu'il n'aurait presque pas débordé. Fait que ça aurait été la meilleure façon. Fait que ça, tu sais, dans le fond, ça résume. Mais maintenant, si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe, le processus qui fait ça, on appelle ça de la nucléation. Je sais pas si on peut dire que c'est une réaction nucléaire. Là. Dans le fond, c'est pas une fission d'atomes. Il appelle ça des points de nucléation. Quand on ouvre une bouteille d'eau pétillante, on voit les bulles monter, puis ça peut monter un peu, puis ça redescend, puis à un moment donné, c'est stable. Mais quand il y a de la lie, comme dans un kombucha, ou qu'il y a comme n'importe quelle particule, puis même les bulles en elles-mêmes sont des points de nucléation. C'est-à-dire que l'objet en tant que tel est là, on va appeler ça un objet, là, puis il dérange, il passe, puis la bulle remonte. Fait que quand la bulle remonte, au début, on s'en rend pas compte parce que les bulles font juste remonter. Puis à un moment donné, on voit que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais c'est ça le principe de nucléation, c'est que ça, c'est une réaction en chaîne. Puis c'est que la bulle va venir déranger d'autres choses, qui va créer d'autres turbulences, qui va faire d'autres bulles, qui va faire que ça se multiplie comme ça. Le liquide est trop réactif, donc aussitôt qu'il y a un point de nucléation, ça se met à faire des bulles. Ça peut être la même chose comme ceux qui mettent du sel dans une bière, là, où tu mettrais un bout de papier dans de l'eau pétillante, tu verrais que toutes les bulles s'accrochent après le papier, mais ça fait, c'est tout des points de nucléation qui fait que le CO2 sort du liquide. Maintenant, pourquoi la température, ça change quelque chose? Si on reparle du sel, on pourrait comparer le sel avec du CO2, mais à l'inverse, dans le sens que du sel se dissout plus facilement dans un liquide chaud, dans de l'eau chaude, versus du CO2 qui se dissout plus facilement dans un liquide froid. Fait que ça explique pourquoi que, présentement, lui est beaucoup plus pétillant que lui, parce que le CO2 est resté dissous dans le liquide. Tout simplement, pourquoi faire compliqué quand c'est simple? Fait que c'est ça. Ce kombucha-là est plus vieux que ce batch-là. Il est encore aussi bon que quand on l'a embouteillé. On l'a juste gardé à froid. Fait que, tu sais, température frigidaire, ça se peut que ça refermente selon s'il y a des levures... ouais, c'est pas des lagers, mais tu sais, des levures à fermentation base. Fait que si vous mettez une sorte de fruit qui a une levure,
sauvage qui, elle, peut fermenter même au froid, ça peut arriver. Fait que c'est quand même prudent de savoir quoi faire pour éviter. Fait que la première chose la plus évidente à faire, c'est de ne pas trop refermenter en bouteille longtemps. Quand vous voyez que votre kombucha est prêt, vous le mettez au frigo, très froid, puis ça devrait arrêter ou très beaucoup ralentir la fermentation. Refermentation. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est ne pas mettre trop de sucre, d'aromates sucrés. Ça ici, c'est un kombucha dans le fond qui n'a même pas d'aromates sucrés, c'est des infusions de plantes. Plus vous aimez votre kombucha sucré, plus vous laissez de sucre en bouteille quand vous capsulez, plus vous avez de chance que si vous laissez fermenter trop longtemps, que ça fasse ça. Je préférerais ces bouchons-là pour brassage maison, parce que premièrement, ça se réutilise, ce qui est quand même le fun. C'est juste que commercialement, ça coûte une fortune. Puis c'est vraiment long de laver les bouteilles, laver les bouchons, de réassembler à toutes les fois le bouchon pour le reclipper. Puis après ça, en plus, de toute façon, on n'a pas le droit de vendre ça comme ça, fait qu'il faudrait mettre soit un papier ou un wrap, ou tu sais, il existe plein de trucs, mais tu sais, ça ferait... C'est moyen. Mais pour le kombucha maison, c'est excellent. Tu sais, si t'as 12 bouteilles d'embouteiller, t'arrives après 2 jours, là, tu te dis, je vais voir comment ce qui est pétillant. Fait que là, tu l'ouvres, là, tu refermes. T'attends pas, là. Tu l'ouvres, tu refermes. S'il y a des bulles qui montent, etc., t'as pas perdu ton CO2, mais tu sais que ta batch est prête. Fait que tu mets tout ça au frigidaire. Si, tu sais, il y en a qui appellent ça burpee, là. Je trouve ça un peu bizarre comme idée. C'est comme de dire, mon kombucha est trop pétillant, fait que je vais sortir du pétillant. Fait que là, tu fais roter ta bouteille. Un petit chaud de marinette de kombucha. Puis là, t'as sorti CO2, fait que là, après ça, tu mets au frigidaire, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais à la base, tu peux l'éviter. Puis de faire roter ces bouteilles comme ça, ça a des avantages que ça crée de l'alcool. Je sais pas si ça vous dérange, en tout cas nous autres, commercialement, on veut pas ça. Mais on parle pas d'une grosse quantité, mais on parle de peut-être 1%, 2%. Pas maximum, là, parce que comme toute maison peut être mal faite, puis ça peut monter 6% si une personne ne sait pas trop ce qu'elle fait. Processus très simple qu'on va expliquer dans une autre vidéo sûrement, sur le kombucha alcoolisé puis tout ça. S'il y a présence d'oxygène, le kombucha ne devrait pas, en temps normal, créer d'alcool, ou à peine. On parle de 0.1. Sauf que quand on ferme la bouteille, on vient d'y enlever l'accès à l'oxygène. Je veux dire, quand c'est prêt, souvent on a un kombucha qui va être autour de 0.5%. Si c'est bien fait. Puis, si on burp, qu'on fait roter la bouteille, qu'est-ce qu'on fait? On relâche le CO2, puis là, le CO2 sort, on referme, puis on fait ça même, puis après ça, il y en a qui vont faire ça jusqu'à temps que le kombucha soit comme stable, tu sais, qu'il va arrêter de burper comme ça. Mais, d'abord, ce que vous faites dans ce temps-là, c'est que vous laissez le sucre fermenter, le sucre résiduel fermenté, sans y donner accès à l'oxygène, ce qui fait que ça fait de l'alcool, puis là, toutes les fois que vous faites un burp comme ça, c'est comme si vous lui dites, on va monter de 0.2, 0.2, 0.2, à toutes les fois, à tous les jours. Puis, c'est ça. Puis, ça fait de l'alcool. C'est pas dramatique. Ça risque d'avoir un goût genre de bière brette. Ça goûte le cheval, comme ils disent. Mais ça peut être bon. Il y en a qui aiment ça. Mais je veux dire, le principe, c'est juste que ça sert à rien. Si ton kombucha est bon à base, si vous voulez aussi, une bonne façon, c'est dans votre batch, mettez toujours une bouteille de plastique. Que vous allez fermer avec un bouchon vissé, style bouteille d'eau pétillante ou de liqueur, peu importe ce que vous buvez. Mais le plastique, est-ce qu'il est le fun? Mettons, ça sera plastique, tu peux peser dessus, puis tu peux juger de la pression avec le... Si tu le sens là, quand il est comme bombé, là. Puis encore là, avec le temps, tu peux comprendre que là, c'est prêt, fait que là, tu mets toute la batch au frigidaire, puis t'as une bouteille en plastique qui est moins chouette, mais tu sais, t'as réutilisé, puis jusqu'à temps que, je sais pas... Je sais pas que tu es écœuré. Je sais pas ce que tu veux avec, hein. J'ai-tu oublié quelque chose? Ça marche pas. Mais tu sais, dans le fond, ce que tu peux faire, c'est l'ouvrir. Puis mettre ça dans un verre. Rapidement. En faisant ça, je veux dire, gars, j'ai zéro perte, là. Mais comme ça, y a rien de perdu. Rien.
Peut-être, peut-être. Fait qu'il y a moyen de faire quelque chose de même, là, ça pourrait marcher. Puis, vous avez regardé là, ici, là, il y a un kombucha. Là. C'est une vieille, vieille culture qui avait plus qu'un an, qu'on a reparti. Puis, c'est ça, elle sent bon, elle est belle. Il y a même une... Tu sais, je peux même la poigner. Il y a même une nouvelle pellicule SCOVY qui se crée. C'est un genre de... Ben, ça prend la forme du pot, hein, on s'entend. Ça. Puis, ce qui est en dessous ici, non, c'est... J'avoue que c'est laid en temps. C'est plus beau, ce côté-là. Mais c'est tous les résidus de thé qui ont tout remonté. Fait qu'ils sont juste comme... remontés puis joint dans cette pellicule-là. Fait que ça sent bon, tout est beau. Fait que ça a marché. Ça pour dire, dans le fond, si vous avez une culture comme nous autres que vous avez abandonnée comme ça, dans un coin, dans un garde-robe, sur le bord du frigidaire, puis faites juste regarder la vidéo que je vais mettre quelque part là, là, puis dans le fond, ça va expliquer comment repartir ça. Puis quand ça va être prêt, on va pouvoir faire réellement une brasse de kombucha maison. Fait que suivez-nous, abonnez-vous, puis vous allez voir ça popper dans votre fil de nouvelles YouTube.